Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais un petit peu. Cette vidéo est un petit peu dédiée à des personnes qui n'ont pas forcément à la fin du mois un pécule, une fois toutes les factures, toutes les dépenses faites, qui n'ont pas d'argent pour investir. Il faut savoir que vous pouvez quand même investir, il y a quelques astuces. Vous avez tout simplement, vous pouvez gagner de l'argent sans investir, mais évidemment, ça sera des petites sommes et il faudra sur certains sites être quand même assez souvent dessus. Mais il y a possibilité de gagner de l'argent chaque mois sans investir un euro. Voilà. Donc je vous rappelle avant de commencer que je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, là, il n'y a pas de souci de perte de capital ou quoi que ce soit, puisque vous n'investissez juste pas d'argent, mais juste un peu de votre temps. Voilà. Donc pour commencer, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Ça ne sera pas des gros gains, mais si vous êtes sur Coinbase, vous allez voir que vous allez dans la rubrique gagner. Et là, vous allez avoir obtenu des récompenses d'apprentissage. En fait, ils sortent des nouvelles vidéos. Vous regardez ces vidéos et vous allez toucher. À chaque fois que vous regardez les vidéos, il faut répondre à la question. Et vous avez le droit à plusieurs essais, bien sûr, pour les réponses. Et vous allez toucher un petit peu d'argent. Alors, ils vont vous donner des cryptos. Donc, c'est souvent des nouvelles cryptos, des nouvelles blockchains qui arrivent. Et généralement, c'est une fois par mois à peu près que ça se réinitialise. Et vous allez toucher à peu près entre 3 à 6, 7 euros en fonction des nouvelles cryptos. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, 7 euros sur 2 mois, ça peut-être vous faire 14 euros. Voilà, 14 euros, vous pouvez investir par exemple dans Brix. Ou, moi, c'est plus ça que je fais, tout simplement. Je convertis en fait les cryptos que je gagne dans une crypto dans laquelle je pense qu'il y a de l'avenir et qui va prendre de la valeur. Voilà. Un exemple, vous avez le Bitcoin, bon, c'est pas le cas, hein, mais vous avez le Bitcoin qui descend à 10 000 euros. Vous convertissez vos cryptos que vous avez gagnés en Bitcoin. Et ensuite, vous pouvez par exemple le revendre quand le Bitcoin remontera ou fera un x2, x3, c'est à vous de voir. Voilà, vous les conservez. Voilà, il y a plein d'options. Voilà pour Coinbase. Je vous rappelle juste que vous avez aussi, vous pouvez gagner 9,87 € quand vous allez vous inscrire dessus. Si vous mettez, je crois que c'est, on va aller taper pour voir. Voilà, vous gagnez 9,87 € si vous dépensez 98 €. Alors évidemment, c'est juste si vous avez besoin, d'un échangeur, ça peut être intéressant. Vous avez déjà 9,87 €. Voilà. Donc ça, c'était pour la première chose. Donc on va dire en moyenne, vous pouvez gagner 4-5 € par mois. C'est pas grand-chose. Mais si vous faites plusieurs business, enfin plusieurs choses où vous investissez juste votre temps, bah c'est parce que là c'est les clics, hein, c'est en une minute, hein, donc on va dire en 5 minutes c'est plié. Voilà, on va passer à un autre, ça s'appelle Honest Gain. Alors qu'est-ce que c'est que Honest Gain? Honest Gain, c'est tout simplement, alors ça c'est plus pour les personnes qui ont une bonne connexion à Internet. Vous pouvez partager votre connexion Internet et c'est sécurisé, donc il n'y a pas de souci de piratage. C'est crypté, hein. Une fois qu'ils ont le c'est crypté, vous allez tout simplement vous inscrire et vous faites un partage en fait de votre connexion internet. Alors c'est sûr que si vous avez la fibre, vous allez gagner plus que si vous avez une petite connexion. Donc je vous laisserai un lien. Vous pouvez gagner à proxy. On va aller là, on va faire l'inscription. J'ai déjà fait, mais là on va faire une pour. Donc là, vous gagnez 5 dollars en plus en vous inscrivant en direct.
voilà. Et là, vous arrivez sur le site. Il va falloir télécharger l'application. Alors, si c'est sur ordinateur, bah, après c'est à vous de gérer. Ou sur Android, je vous conseille plutôt sur ordinateur. Voilà. Et ensuite, vous allez télécharger l'application. Et ensuite, vous allez commencer à pouvoir partager. Vous gagnez approximativement 10 euros par mois. Faut savoir que ça vous bouffe pas beaucoup de connexion. Ça vous bouffe à peu près 400 MO par mois. C'est pas grand chose. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant. Vous pouvez quand même jouer à des jeux vidéo. Ça va pas faire changer. Ça va pas changer votre qualité de votre vitesse internet. Ça changera presque pas. Voilà. Donc en moyenne vous gagnez 10 euros. Donc vous voyez sur Coinbase vous pouvez gagner 4-5 euros. Ici vous pouvez gagner à peu près 10 euros en fonction de votre vitesse de connexion. Je vous rappelle qu'il faut bien sûr télécharger l'application et après vous avez juste à cliquer sur partager. Et puis vous pouvez aussi bien sûr inviter des amis et vous gagnerez 5$ à chaque fois. Voilà. Voilà pour OneGain. On va passer à un qui rémunère mieux, mais effectivement c'est moins passif. Voilà, c'est Atapol sondage. Alors qu'est-ce que Atapol? C'est déjà c'est une application qu'il faut télécharger sur votre téléphone. Ensuite vous allez recevoir des alertes comme quoi vous pouvez participer à des sondages. Alors il y en a qui sont très rapides, c'est une minute, il y en a qui sont très très lents. Voilà, qui sont plus lents, où il faut répondre pendant 10 minutes, 15 minutes, donc c'est un peu plus complexe, mais ça vous, peut vous payer. Alors évidemment, plus c'est long, plus vous toucherez de l'argent, vous pouvez toucher 1, 2 euros à chaque fois, sur des réponses rapides d'une minute, vous allez toucher 10 centimes, même pas. Mais il faut savoir que sur un mois, si vous avez du temps, c'est surtout pour les personnes qui avaient du temps, ou vous êtes par exemple dans les transports ou autre, vous avez un peu de temps, et bah petit à petit sur le mois vous pouvez gagner, si vous êtes acharné vous pouvez gagner pas mal, sinon vous pouvez gagner c'est en fonction aussi de la fréquence, mais en tout cas tous les jours vous en avez pas mal, on vous en propose pas mal et vous pouvez gagner jusqu'à à peu près 50, peut-être qu'il y en a qui gagnent plus hein, si vous êtes vraiment acharné, mais il faut vraiment tout de suite dès qu'il y a une alerte hop répondre au sondage, mais si vous gagnez 50 euros par mois c'est déjà vraiment pas mal. Voilà. Donc là par contre c'est un peu moins passif parce qu'il faut répondre aux questions, il faut pas répondre n'importe comment, voilà, faut plutôt être honnête sur vos réponses. Voilà, donc on fait le calcul, 50 euros sur Atapol à peu près en moyenne, on est gagné 10 euros et bref à peu près 4-5 euros, ça fait déjà 65 euros. On va passer à un autre où vous gagnerez pas grand chose mais c'est assez passif, vous pouvez gagner entre 5 et après tout dépend de votre chance. C'est Free Bitcoin. Alors, qu'est-ce que Free Bitcoin? C'est tout simplement toutes les heures, vous avez une loterie et vous pouvez gagner. Il faut aller dans Free Bitcoin ici. Vous vous inscrivez, je vous laisserai le lien bien sûr, et toutes les heures, vous avez une loterie. Et vous pouvez gagner cette somme, entre cette somme et cette somme. Généralement, c'est plutôt celle-là. Hein. C'est à chaque fois, c'est celle-là. Et donc, on va le faire, parce que là, l'heure est passée. Je suis un humain. Voilà, roll. Donc là, on peut voir que j'ai gagné 0,0008 BTC, 2 tickets de loterie et 2 points de reward. Il faut savoir que quand vous avez 50 points de RP, de reward points, vous verrez ici, new feature alert, échanger vos points de récompense contre la roue de la fortune. Alors j'en ai pas encore assez parce que j'en avais déjà utilisé, mais ici vous taperez un nombre de tickets, points de tickets et change. Voilà. Par contre moi j'en ai pas assez, mais si vous en avez 50, en fait il faut le faire 25 fois. C'est 2 RP de récompense à chaque fois, chaque heure, donc vous faites 25 fois, vous aurez ensuite un ticket que vous pourrez échanger et après vous pourrez tourner la roue et là vous gagnerez, vous pouvez gagner plus de choses. Voilà. Alors après il y a des formules payantes, mais je vous le conseille pas forcément, voilà, gagner une Lamborghini, voilà, vous avez un truc pas mal par contre, c'est betting, c'est les paris.
vous pouvez parier sur les matchs, etc. Mais il faut acheter des tokens pour pouvoir parier. Il faut acheter des fun tokens. Voilà. Si vous achetez des fun tokens, vous avez quand même plus de chances. Il y a pas mal d'avantages. Mais personnellement, moi, je vous conseille de rester sur du gratuit. C'est tout. Vous avez que juste chaque heure, en fait, vous allez sur Free Bitcoin. Et chaque heure, vous pouvez faire tourner la loterie. Alors, évidemment, vous ne gagnez pas grand-chose. Mais par mois, vous pouvez gagner 5, 10 euros. Ce qu'il y a, c'est que toutes les heures, il faut aller dessus. Après, si vous avez de la chance, vous tombez sur un bon jackpot, vous pouvez gagner plus. Mais je pense que les probabilités sont très faibles. Voilà. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation, proposer. Je ne sais pas si on gagne quelque chose. J'ai pas vu sur ce site si on peut gagner quelque chose. En tout cas, vous pouvez aller gagner jusqu'à 200$ chaque heure. Mais je vous le dis honnêtement, à chaque fois, je suis tombé sur des 0,8 à chaque fois. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est la roue de la fortune quand vous avez 50 RP. Ça, c'est intéressant. Après, moi, je mets pas de fun token. J'achète pas de fun token dessus. Mais pour ceux qui aiment bien les paris, pitching, ça peut être pas mal. Qui s'y connaissent, bien sûr, ça peut être intéressant. Voilà, vous pouvez faire aussi du staking de BTC. Le taux est à 4,08. Je vous conseille plutôt Nexo ou Midas pour faire du staking. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Bon, par contre, il faut parler anglais, mais en même temps, c'est pas très très dur. Voilà pour Free Bitcoin. Mais ça vous demande d'être assez régulièrement sur l'ordi. Donc si on fait le calcul, à Tapol, à peu près 50 euros, on a gagné 10 euros, ça fait 60. Ensuite, 60, ici peut-être 5 euros, 65 et Coinbase 5, ça fait 70 euros. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez gagner 70 euros par mois et après, ce qui peut être pas mal, c'est de les investir dans un business qui vous ramène, par exemple, vous achetez un token de Realty. À 50$ et là ça commence, ça vous commence à toucher un petit peu et voilà. Alors évidemment il y a d'autres applications, là je vous en ai mis 4, mais il y a d'autres applications pour gagner de l'argent. Je vous en ferai une prochaine, sûrement sur du minage gratuit et d'autres astuces aussi pour gagner de l'argent. Voilà, en tout cas c'est une bonne chose pour les gens qui ont du temps et qui n'ont pas d'argent à investir. C'est une façon de s'en sortir. Voilà, petit à petit. Évidemment, ça sera plus long que si vous avez pas mal d'euros à investir chaque mois. Mais étant donné que c'est de plus en plus dur, c'est quand même de plus en plus dur. L'inflation monte, les salaires montent pas forcément, la vie est de plus en plus chère. Ça va être très dur. Voilà, si vous avez des opportunités gratuites, moi je pense qu'il faut aller dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle juste que sur Discord, j'ai pas mal d'astuces comme ça. Vous pouvez aller voir. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. N'hésitez pas à venir voir. Voilà. À très bientôt. Ciao.